Et salut tout le monde, ici c'est Floffy, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 35, si j'ai vraiment bon décompte parce que ça se trouve je suis en train de dire les épisodes depuis, voilà, depuis n'importe quoi, de Pokémon Reborn. Donc la dernière fois on avait sauvé, merde, j'aurais pas dû bouger, on avait sauvé les enfants de, enfin d'un bâtiment où ils étaient retenus prisonniers par le chef, là, je sais plus, Sirius, je crois. Et on devait s'échapper vers Chrysolia, un truc comme ça. Faut que je regarde la carte. On allait vers... ouais, Chrysolia. Chrysolia Pass. Donc là, on commence à arriver dans une autre partie de la map. On quitte enfin cette ville de merde, là, hein, qui prenait quand même pas mal de place. Allez, sur ce, on est parti. La porte est ouverte. Ouais, alright, je vais être derrière toi. Oh, c'est joli! C'est trop joli! Bon, il pleut encore. Je sais pas pourquoi il pleut tout le temps. Elle va se barrer. D'accord. Oh, ok, au revoir. Le soleil. Enfin, le soleil. Une seconde après qu'elle ait vu le soleil, elle est partie. Très bien. C'est pas que je voulais pas aider mon ami ou quoi que ce soit, mais. Je vais la suivre, ok? Je vais être sûr qu'elle aille bien, je vais l'attraper, je vais vous rattraper plus tard. A plus princesse. Anna, pratique elle. Anna est complètement blanche. Non non je vais bien. C'est Nostra qui se sent pas bien, je vous le promets. Ok Nostra peut se reposer. Elle a dit les enfants mais à quelques années de plus que nous. Ok. Faut aller par où? Pourquoi ils vont par là? C'est des séismes ça? C'est méga chelou. Hein. Alors là il y a une forêt. Je sais pas si c'est une bonne idée de pas les suivre déjà. Je vois un mec là-bas. Est-ce qu'il y a des Pokémon ici? Bah logiquement oui mais... Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon? Bon, on s'en fout. On va les rattraper, ça vaut mieux. Putain, la musique est vachement cool. Townsend Mountain. Bonjour. D'accord, il m'attaque. Niveau 40. Merde, j'ai tué. Bon bah, correct. Ok, salut. Ce métal est nouveau, enfin il est neuf. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas. Allez, on continue. Bon, on va explorer un petit peu quand même. Visiblement, il n'y a pas de Pokémon sauvage. Et ça bouge violent quand même. C'est trop chelou. Genre, ça bouge sévère. Oh. Un élixir, super. J'ai vu qu'il y avait une grotte ici. On ne peut pas y accéder parce que la porte est fermée. Donc elle est là. Oh oui. Et... Alors, il y a deux objets. Et ici, un tesson, on s'en fout. Et un rappel. Easy. Rappel et un tesson, super. Hop. Coucou Charlotte. Cozy late loadout. Ok, je vais te suivre. Donc c'est par ici. Je vais aller voir des autres côtés. Voilà, une hyperbole. Hein. Ça on me le dit pas. Hein. Personne me l'a dit ça. Deux objets. Merde. Encore un tesson. Y'a un os rare, super. C'est pas comme si j'avais pas besoin d'argent, mais un peu quand même.
Oh, c'est trop joli. Oh, c'est beau les fleurs. Oui. Yeah. Par contre, ça bouge sévère. Hein. Je me sens pas bien. Oh, un mystère. Oh, ça fait du bien de voir un paysage à peu près différent. Quoi. Là, c'est ouvert, c'est joli, quoi. Ça change. Par contre, on peut pas. Non, on peut pas y aller. Hop. Non, y a rien. Bon, j'imagine qu'il y a rien dans les trucs. On peut pas surfer, donc on peut pas y aller sur le truc. Le lac a l'air pur en plus. Quoi note-t-on ? On va faire le tour du lac ou... Oh ! Genre, elle est posée devant nous comme ça. C'est couronne de fleurs. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 8. 8, 8. Laura est venue ici, on dirait. Il y a une maison et tout. La grande classe. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Bien le bonjour. Noël, Anna? Est-ce que vous êtes là tous les... Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Charlotte? Mais tu n'étais pas à l'orphelinat? Nous avons décidé que ça ne pouvait plus durer et nous l'avons... Quoi, vraiment? I wish. Nous avons besoin d'un lieu pour un moment. Enfin, d'être tranquillement. Fluffy, Shelly, voici Laura. C'est ma sœur. C'est un plaisir de vous rencontrer, même si c'est inattendu. Ravi de vous rencontrer aussi. Elle nous a aidé. Ils nous ont aidé à nous échapper de ce médecin. Le docteur et... Et nous pensions qu'il était beaucoup trop dangereux de retourner dans la ville. Donc c'est pour ça qu'on va rester ici pour un moment. Est-ce que Anna peut aller s'allonger quelque part? Enfin, nos strains ne se sentent pas bien apparemment. Oh, bien sûr. Suivez-moi aux escaliers. Laura va rester avec eux. Ah, Laura était avec nous à l'orphelinat. Mais depuis qu'elle a 18 ans, donc l'âge la majorité, elle a été libre de partir. Donc elle est venue ici. Elle utilise la maison de nos parents. C'est la place la plus sécurisée possible. Et bien sûr, elle a redécoré encore. Charlotte, qu'est-ce qui s'est passé pour tes parents? Qu'est-ce qui est arrivé à tes parents plutôt? Ce n'est pas important. Oh, je suis désolé. Cette pauvre fille vient de s'endormir. Elle couvre actuellement une grande fièvre. Est-ce qu'on a un peu de médicaments pour elle? Apparemment non. Le marché à Smilton doit en vendre un peu. Très bien. Fluffy, on va aller à... Tu vas aller à la ville chercher des médicaments pour Anna. Smilton est complètement séparé de la ville. Et si tu reviens et si tu vas vers l'est, tu vas le trouver. Ou si tu vas dehors, tu vas sûrement besoin de te reposer un peu. Suis-moi. Moi ça va. Et bon, y a rien. La cuisine en longueur, MDR. Le tapis beaucoup trop grand. Ah, ici un PC. Tu peux utiliser la chambre à la droite. La droite derrière moi. Pourquoi je regarde la télé à chaque fois? Putain, ça parle de Kiki. Nice, en fait ça sent le Pokémon ici. L'autre elle est là. Bon bah tant pis, hein. Elle va pas bien. C'est ça. Bon, j'imagine que je dois aller. J'imagine que ce qu'il y avait à droite de la forêt, ça bouge encore. N'empêche, la meuf, elle a une maison devant un lac et tout, tu vois, trop bien.
faut la classe. Oui, ça bouge, on a compris. Mion. Alors, faut passer par où? Par ici, j'imagine. Hop là. Bon, visiblement, il y a des dresseurs. Salut. Un voyageur, oui. Pokémon Ranger. Oh, mini Draco. Hop, ça dégage. Par contre, il me faut pas trop de dresseurs parce que sinon je montais trop. Ouf, je m'en fous, je l'ai mis KO. Gastrodon. C'est vrai que j'ai pas une seule attaque plante, hein, par contre. Nice. Ok, ça c'est fait. Alors ça c'était utile de faire un demi-tour. Hein. Ah non, chemin gauche, là. Pardon. What? Il se passe des choses cheloues ici. Mais... Attends. Il était pas là cet arbre tout à l'heure. What? Ça devient chelou, j'ai peur. Pas en couille. Casanova. Ah, un Eliatron, ça c'est cool. Ça, je vais pouvoir le buter. Heureusement qu'il y a la pluie. Hein. Les bons crocs qui ratent. Quarante-sept, ok. Shieldon. Genre il prend pas plus que ça. Oh merde. Mais il est pas si pourtant. Sur le bois sur roche. Libre à voir. Tu m'étonnes qu'ils m'ont mis un certain Pokémon là-bas parce que ils sont costauds les dresseurs. Enfin costauds. Bon, c'est quoi qui disparaît cette fois? Un bout de bois. Je peux aller nulle part. Oh, nice. De l'XP. 1500, allez, salut. Mais je passe par où, moi? What? Attends. Il disparaît pas celui-là, non? Bon, on va les soigner. Bon, par contre, ça va être chiant de faire tout le chemin à chaque fois.
C'est tellement chiant. Si toi tu rentres, ils sont là en mode c'est bon, t'as trouvé? Non, pas du tout. Je vais juste me reposer, salut. Ça fait 25 minutes que je suis parti, mais. Va faire un speedrun là-dessus, toi. En plus, je crois que je peux courir si je tiens. Non, je cours déjà, je crois. Ouais, si je tiens espace, je marche. Ce que je trouve complètement débile, en somme. Donc, là on peut pas. Là je peux pas. Là c'est coincé. Là. Je peux passer nulle part en fait. Au cas où personne n'a remarqué. Hein. Je suis perdu. Là, je peux aller là. Mais je pouvais pas y aller il y a 2 minutes. Ça m'embrouille. Il y a rien ici en fait. Qu'est-ce que je fais là? Oh, Vivalda. Darling. Un coup je peux passer à des endroits, un coup non. Ouais, je comprends la logique, mais je crois qu'il n'y en a pas en fait. C'est trop bizarre. Là je peux là. Nice, de l'XP. XP gratos. Allez, bordel, 2131, nice. Donc là, là je peux y aller. Et c'est... What? Ouais, je peux le couper et... Comme si ça m'aidait à avancer. Hein. Wow, boostifleur. Non, je le tue pas. Je le tuerai pas en une seule attaque. Mais c'est quand qu'ils vont dégager ces armes là? Je sais pas comment on les enlève. Des boutons, je sais pas, il faut passer sur un truc précis. Là, l'autre, je la rejoins comment? Un truc que je comprends pas. Qui a disparu là. Non, c'est pas ici. Voilà, là il est parti, tu sais pas pourquoi. Et maintenant je suis censé aller là, c'est ça? Ok. Yes. J'ai rien compris. Spindletown. What the fuck? What? Ouais. March right back. Des choses apparaissent et disparaissent. Ou les deux. Et réapparaissent quelque part ailleurs. Complètement random. C'est les séismes.
Personne n'a aucun indice de ce qui va se passer. Ça va sûrement revenir plus tard. À quel moment des trucs font réapparaître? Oh, une good rod. Super, on va pêcher. Mais si j'avais besoin. Bon, faut que je trouve un market. Putain. Je m'y attendais pas avec le bruit dans les oreilles. Ouais. Est-ce que tu peux me le ramener si j'ai envie de... Attends, tu veux pas me dire que je vais retrouver ces... C'est une très jolie ville en tout cas. Il y a une télé là-haut. Attends, je suis vraiment obligé de lui ramener ces trucs à l'autre là. Est-ce que ça marchait au moins? D'accord. Ok. Non, ça fait pas partie de chez elle, ça. Voilà, la table. Je sais plus ce qu'il y avait chez elle. Serra, ok. Ok, il y a sa commode là-bas. Des chaises, une table, des gens. Miss Serra et... Miss Serra, d'accord. Ça va être des Pokémon... Ah, Pokémon insectes. Mais non, on a déjà eu les Pokémon insectes. Hop, la commode. Ça... Ah non, c'est pas ça. Tout ça ensemble, ok. Gold Nugget, ok. Luxury Ball, nice. Toujours cette pluie. What? C'est le laboratoire, ouais. D'accord. Y'a rien de chez l'autre. Tiens, cadeau. Non mais je peux rentrer vraiment partout, ok. Merde, j'ai acheté des trucs. Oh, trop bien. Comment on va l'appeler? Canette. Parce qu'on dirait une canette. Enfin, on dirait pas une canette. Mais... D'accord. Je pensais que c'était... C'est bon? Ah, ça prend du temps. Vous pariez combien que j'ai oublié ce truc de toute façon? Parce que faut payer pour y aller quoi. C'est pas sérieux. Putain, ça fait tellement flipper des fois. Ça je veux bien. Ouais. Comment les séismes peuvent faire disparaître et réapparaître des trucs? Ça je piche pas. Bon, est-ce que j'ai tout rapporté à l'autre là? Ouais, ouais, beaucoup. Très bien. Fingermas, mon lit, mon cabinet, la télé, deux bibliothèques, deux chaises et une table. Faut que je trouve des chaises maintenant. On va quand même essayer de lui ramener. Alors, les chaises, c'est possible que j'en ai raté. Hein. Ou alors, s'il y en a ici, ouais. Pas celle-là, j'imagine. Pas celle-là non plus, peut-être celle-là. Au moins une des deux, même pas. 1 livre. Ouais, mais il y avait pas autant de caisses tout à l'heure. Mais ça en perd de la tête ce truc. Ok, il y a la reine. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'était évident. Il y a des coups, tu te rapproches de certains machins et... Ouais, ouais, ça sent, si tu veux. Bon, est-ce que je peux récupérer mon truc? Est-ce qu'il n'y a pas des chaises ici? J'ai plus de place, génial. Il n'y a pas des chaises ici? Bah si. Là. Non, il veut pas de chaises.
Ça donne rien pour vendre. Là, je suis obligé de repayer 500 pour avoir mon fossile. Bah non. Je n'ai plus rien à foutre. Oui, oui, je sais. L'autre là-bas, il va disparaître aussi. Why not? Bien sûr. J'aime les trains. Bah, oui, mais non. C'est trop... C'est putain de chiant. C'est du n'importe quoi. Bon, il reste quoi? Mon lit. Mon cabinet, ça va être le truc là-bas. La télé. Une chaise et la table. Donc il manque une bibliothèque et une chaise. Je suis vraiment en train de chercher des trucs. Quoi. Mais je sais même pas où c'est que ça pourrait être. Voilà. Une bibliothèque et une chaise. C'est n'importe quoi. Un coup ça... Mais... Je sais pas où ça peut apparaître en fait tes machins. Oui je sais qu'ils disparaissent. Luna. Oh tu n'es pas Luna. Excuse-moi j'étais supposé faire des recherches sur la source de ce bruit. Qu'est-ce que vous... Ah ça doit être ça. Maman, le marché semble après sur le toit de la maison. Qu'est-ce que tu dis? Ah, d'accord. Ça explique ce qui s'est passé sur le balcon. Hello, tu dois tuer. Mon nom est Sarah. Je suis supposé être le champion d'arène de cette ville. Comme pour la boutique, je suis effrayé de ce qui se peut passer ici. Pourquoi tu n'es pas venu à l'intérieur? Toi aussi, Bennett. Pourquoi tu ne viendrais pas à l'intérieur? Ouais, mais moi j'ai des trucs à trouver d'abord. Puis au pire, champion d'arène, on s'en fiche un peu, non? Bon. L'autre, je trouverai pas ces machins, je pense. Tant pis pour elle. Hein. C'est pas comme si je pouvais aller ailleurs. Ouais, ouais. Bon. Bah écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce vert, un commentaire, à partager, à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et moi je vous laisse et je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien. Ciao.